Cécile Ritaro, aujourd'hui je vous propose un soin méditatif pour découvrir votre passion. Alors peut-être qu'actuellement vous vivez déjà de votre passion, vous savez ce que vous aimez faire, mais peut-être aussi vous êtes dans un chemin où vous ne savez plus très bien ce qui vous excite, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie. Et là vous avez envie de retrouver l'envie de faire quelque chose tout simplement. Il peut y avoir plein de cas de figure, et même si vous avez déjà votre passion, peut-être que ce soin méditatif peut vous aider à trouver d'autres idées pour continuer ce que vous faites. Donc ça va s'appliquer à tous les cas possibles. Ce soin est adapté à chaque personne qui va l'écouter. Donc il va y avoir l'énergétique dedans, des light codes, éventuellement des chants diphoniques. Je vais voir si j'en fais ou pas avec mon compagnon, mais je vais voir au feeling. Et tout ça pendant la période du mois du poisson. Donc c'est un soin méditatif intemporel, mais au moment où je le filme, c'est... On est dans le signe du poisson, donc c'est un état vraiment parfait pour recevoir des informations, pour ressentir au maximum, on est plus vulnérable. Donc sachez que vous êtes protégé quand vous écoutez ce soin méditatif, il n'y a pas de souci, ça va être vraiment adapté. Vous allez recevoir chacun ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous vivez tout ça. Je vais aussi parler, je vais essayer de vous accompagner aussi comme ça, je vais faire ce qui vient. Et je vous souhaite vraiment de trouver les réponses et le feu qui est en vous pour la suite. Voilà, à tout de suite. Vous êtes devant un escalier et vous montez progressivement les marches. Tout votre être est réceptif à ce qui va suivre. Sachez que vous êtes protégé à chaque pas. Vos guides sont là pour adapter ce soin méditatif à ce que vous êtes, à là où vous en êtes, et là où vous pourriez aller. À chaque moment, le choix est le vôtre. Personne ne peut décider à votre place. Allez-vous aller vers la voie du guerrier, celui qui se relève, alors qu'il trébuche, et vous ouvrez cette porte. La voie est libre. Qu'allez-vous trouver derrière cette porte? Quelles sensations, quelles images, quels sons? Peu importe, tout cela vous appartient. Tu mets tous tes doutes de côté, que se passe-t-il? Si tu laisses partir tout ce qui te retient, où vas-tu? Plonge au plus profond de toi, qu'est-ce que tu trouves? Si plus rien ne peut t'arrêter, où vas-tu? Qu'es-tu venu faire ici? C'est normal. Tu as encore des repères à lâcher. Certains sont encore là. D'autres vont partir.
Et... Va vers la vie. Et mettez na ou et n'était à a qui a pas chez un a ou pas et là d'abord c'était pas c'était pas que tu tout la mec qui tout d'abord que tu pas aucun est c'est n'a qu'à des mecs qui n'étaient à la que me sonne qui avec toute cette force que tu as acquise. C'est derrière toi, tu peux dire au revoir, tu es libre. Vis ta passion.
Mantella, Teme Inetat, Emekana, que ce soit ta compagne autant que tu le désires.